Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette plénière des assises citoyennes et diasporas africaines en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un élu de la ville et des délégations d'associations venues de la région. Cet événement est une occasion de rassembler différentes associations africaines présentes dans notre région, de partager nos expériences, nos idées et de construire ensemble des solutions pour un avenir meilleur. Nous sommes réunis ici pour discuter des sujets cruciaux tels que l'investissement en Afrique, l'organisation des diasporas et les coopérations avec les collectivités locales. Ces thématiques revêtent une importance particulière car elles touchent à la fois nos racines, notre identité et notre avenir. En travaillant main dans la main, nous pouvons contribuer au développement économique, social et culturel de nos pays d'origine, tout en renforçant les liens avec nos communautés d'accueil. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants et les intervenants qui ont répondu présents à cet événement. Votre engagement et votre expertise sont essentiels pour faire avancer les débats et trouver des solutions concrètes. Un grand merci à la ville de Clermont-Ferrand qui soutient et accompagne les Journées de l'Afrique depuis 2005. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers les pilotes de ce projet des Assises citoyennes des diasporas africaines en Auvergne-Rhône-Alpes, Pascaline Bidung, Irène Paturé, Octave Yamiogo, Axel Mengue et bien sûr Jean Kizito de la coordination Aura Soixantenaire OUA-UA ainsi que tous les membres de la coordination. Je n'oublie pas Rachida Bounaga, présidente de la CAFA, et l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible la tenue de ces assises. Je salue les intervenantes et les intervenants qui vont animer la conférence, ainsi que François et Nicolas qui ont chapeauté l'organisation de cette conférence. Vos interventions, vos contributions vont permettre de créer un espace d'échange et de dialogue où chaque voix compte. Enfin, je vous encourage tous à profiter pleinement de ce moment, à exprimer vos idées, à poser vos questions et à participer activement aux discussions. Ensemble, nous pouvons faire la différence et construire un avenir plus inclusif, plus solidaire et plus prospère. Je suis Lionel Carimona, président du Conseil confédéral des associations africaines d'Auvergne. J'invite sur le podium M. Samir El Bakali, conseiller municipal délégué à la ville de Clermont-Ferrand, représentant le maire Olivier Bianchi. Merci M. le Président. Cher Lionel, mesdames et messieurs, donc c'est un grand plaisir de présenter la ville de Clermont-Ferrand et le maire Olivier Bianchi. Ce n'est pas là aujourd'hui parce qu'on a le conseil municipal, donc moi j'étais obligé de partir avant pour venir assister à cette rencontre très intéressante. Vous le savez aussi, la ville de Clermont-Ferrand, c'est une ville ouverte sur l'Europe, sur l'Afrique, voire sur le monde. La ville de Clermont-Ferrand encourage les échanges entre l'Afrique, l'Europe. La ville de Clermont-Ferrand soutient la diaspora africaine qui fait un travail formidable pour partager la culture africaine avec les autres. Évidemment, la ville de Clermont-Ferrand a toujours soutenu cette action et avec grand plaisir. La ville de Clermont-Ferrand organise aussi d'autres manifestations dont la CAFA participe, comme la Journée des cultures du monde, où on rassemble plusieurs associations qui viennent parler de leur culture. Donc aujourd'hui, vous savez très très bien, le monde change, l'Afrique a changé. Et c'est normal qu'il change l'Afrique. Parce qu'il y avait un lien, je dis il y avait, parce que malheureusement il y a quelques soucis aujourd'hui entre le gouvernement français et la plupart des pays africains. Il y avait un lien très important entre l'Afrique et la France. Vous savez aussi que la plupart des pays africains parlent français. Alors moi donc, tant que franco-africain et franco-marocain, ce matin j'ai bu le café au Maroc, là je suis avec vous. Donc je viens d'Afrique, je suis en Europe. Et j'ai discuté avec mes collègues au Maroc concernant les liens, les relations qui existent entre la France et l'Afrique
malheureusement, ça ne marche pas très bien. Parce que l'Afrique d'hier, c'était une Afrique qui exécute. Aujourd'hui, l'Afrique négocie, discute. Et là, on trouve ça bizarre. Et c'est normal, parce que l'Afrique, c'est un continent jeune. L'Afrique, c'est un continent très riche. L'Afrique, c'est un continent qui a été colonisé. Mais l'Afrique, aujourd'hui, avec la jeunesse, a envie aussi d'imposer ses idées. L'Afrique a envie d'une solidarité mutuelle. C'est pour cela que aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, et la ville de Clermont-Ferrand, fait beaucoup de choses pour établir ces relations entre la communauté africaine et la communauté, on va dire, française de souche, pour garder ce lien entre les deux. Parce que, évidemment, je pense que entre l'Afrique et la France, il y a un lien qui est très très important. Il doit rester. Ces échanges doivent rester. La jeunesse africaine doit circuler en Europe, parce que, comme vous le savez aussi aujourd'hui, malheureusement, pour avoir un visa pour venir en France, ça devient le parcours du combattant, ce qui a provoqué une autre émigration de la population africaine. Je parle de la population africaine universitaire qui est partie ailleurs, alors qu'avant, à l'université, même l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, je vous invite d'aller voir à la bibliothèque les doctorats qui ont été soutenus par les jeunes africains. Il y en a beaucoup. Ils ont contribué à la recherche scientifique de la ville de Clermont-Ferrand. Moi-même, je suis venu ici étudiant, j'ai soutenu ma thèse, mon doctorat sur le volcanisme. Et vous, comme vous le savez, l'Auvergne, c'est une terre des volcans. Donc aujourd'hui, il faut qu'on garde ce lien. Il faut que l'université Blaise Pascal garde le lien avec les étudiants africains. Il ne faut pas une fracture entre les étudiants africains et les étudiants européens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Un étudiant africain, pour renouveler sa carte séjour, c'est un parcours de combattant. Un étudiant européen, lui, vient, il s'occupe de ses études, de sa vie. Alors que l'étudiant africain, lui, il lui faut sa carte de séjour, le renouvellement. Et s'il n'a pas sa carte de séjour, il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire les études comme tout le monde. Donc par le biais de ces actions organisées par la CAFA, et je tiens à remercier donc la présidente de la CAFA, à côté de Rezacop, qui fait aussi un travail formidable, et la ville est fière d'être membre de Rezacop, parce que vous faites un travail formidable avec l'association COSI, je vois le prise noire. Pour continuer donc ces actions, la ville va toujours soutenir cette action et d'autres actions, et je tiens à vous remercier pour donc votre engagement dans cette action citoyenne qui montre le savoir-faire de l'Afrique et des Africains. Merci beaucoup. Merci Monsieur Ebakali. Donc on a eu cet après-midi des ateliers sur les assises citoyennes des diasporas africaines, des assises avec de très très belles contributions. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont participé. Donc tout à l'heure on aura la conférence, bien avant la conférence. Samir, tu peux déjà t'asseoir. Ouais. Je peux changer. Tout à l'heure on aura la conférence, mais avant je vais inviter Irène Paturé qui va nous faire une retransmission un peu de ce qui s'est dit pendant les différents ateliers des assises. Merci Lionel et bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci encore à tous ceux qui étaient là depuis cet après-midi. Merci à madame la présidente de Rezacop. Directrice. Je sais que j'ai hésité un peu, ce qu'elle nous a déjà dit tout à l'heure. Merci à M. El Bakari qui représente notre belle mairie de Clermont-Ferrand. Merci à notre présidente de la CAFA. Merci à nos illustres invités qui nous ont fait honneur et qui sont venus de Lyon. Voilà, je sais que la conférence est très attendue. Bon, je vais vous faire un bref compte-rendu des trois thèmes qui ont été très riches tout à l'heure. Les débats ont été très riches, très intéressants. Alors, le premier, dans le premier atelier, pourquoi et comment s'organiser en tant que diaspora africaine. Donc, à l'unanimité, à travers les débats et tout, nous avons compris que nous avons ce besoin et cette nécessité de nous organiser en tant que diaspora africaine, non seulement pour nous soutenir ici, pour
créer de l'entraide, de l'émulation, mais aussi pour profiter du savoir-faire que nous avons acquis en tant que diaspora africaine, de nos bases africaines que nous avons, pour mettre nos forces en commun et voir comment, avec l'appui de l'Union africaine et de nos pays, de nos pays d'origine, nous pouvons mettre nos forces ensemble pour ne pas voir le futur développement de l'Afrique nous passer sur le nez, mais de participer. Donc voilà, les échanges ont été très riches et à l'unanimité, nous avons conclu que par rapport à ces thématiques, pourquoi et comment nous organiser, nous avons besoin de nous organiser et comment nous avons besoin de nous organiser en nous mettant ensemble, en mettant nos richesses, nos connaissances en commun. Là, c'était le premier atelier. Sachant que ne vous inquiétez pas, tout ce qui a été dit, je vous enverrai un compte rendu un peu plus complet. En ce qui concerne le deuxième atelier, qui était diaspora africaine, solidarité, coopération internationale. Nous avons eu une belle intervention de justement Madame Delarue de Resacop, qui a bien su nous expliquer comment est-ce que nous travaillions, toute l'action qui était faite par les organismes de coopération internationale, ce qui a soulevé la question de savoir comment nous, souvent associations et organismes qui voulons participer à cette collaboration et à cette coopération internationale, comment est-ce qu'on trouve les informations? Comment est-ce que tout ce que les organismes tels que Resacop met en place, comment est-ce que toute cette action elle est valorisée, comment est-ce qu'on fait pour trouver des informations, et elle nous a donné des astuces. Nous avons vu aussi des belles interventions, de jolis témoignages, celui de Madame Pascaline Bidou, ancienne élue, par rapport à une action qui avait été menée, une action de coopération entre la ville de Clermont et puis... la ville de Ouyem au Gabon. Des très 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 belles interventions, très riches, ce qui nous amène à conclure que nous avons vraiment besoin de valoriser toutes ces actions qui sont mises en place, tout ce qui peut être fait, mettre de l'emphase sur la communication pour qu'on sache, nous en tant qu'association, en tant qu'organisme de la diaspora, où trouver des informations fiables, comment les exploiter. Comment mettre tout cela en place et mieux communiquer, valoriser tout ce qui est fait. Là, c'était sur le deuxième atelier. Là aussi, bien entendu, vous aurez plus de détails dans le compte-rendu détaillé que je ferai. Le troisième atelier a porté sur les diasporas africaines, investir et entreprendre en Afrique. Atelier très riche aussi. Nous avons une très belle intervention de... nos illustres invités venus de Lyon, de Madame Colette Ilunga, présidente de Émergence, oui, et qui nous a vraiment fait part de son expérience, de leur expérience à Lyon depuis plus de 30 ans, très riche, expérience qui nous encourage aujourd'hui à ne pas nous laisser bloquer par le fait que, oui, il y a des difficultés quand on se dit, on pense aller investir en Afrique, il y a des freins, mais nous pouvons les surmonter ensemble à travers des initiatives comme celle d'aujourd'hui, réfléchir en tant que diaspora, mettre ensemble notre intelligence, profiter des intelligences, des expériences des uns et des autres, profiter des expériences de ceux de la diaspora qui ont déjà commencé à investir en Afrique, pour voir comment nous pouvons avancer, parce que nous savons tous que l'Afrique est un continent riche. Notre élu l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas laisser que notre continent continue d'enrichir les autres et que nous soyons juste des observateurs. Et pour mieux y arriver, pour ne pas tomber dans des pièges, nous devons mieux nous organiser, nous mettre en commun, mettre nos intelligences en commun afin de nous organiser pour profiter, investir en Afrique, enrichir la collaboration entre les entreprises africaines et l'Occident, et mettre en place des vrais échanges, des vrais partages d'expériences et de connaissances. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je pense que vu ce que nous avons entendu dans les ateliers cet après-midi, nous allons vraiment continuer, nous sommes tous motivés pour continuer
dans la même lignée. Et je vous enverrai le compte rendu, je prendrai les mails de tout le monde afin que vous puissiez recevoir le compte rendu détaillé de ces ateliers dans vos boîtes mail. Merci à tous. Merci Irène pour ce compte rendu détaillé. Donc on va passer à la conférence. Je vais vous rappeler le thème de la conférence, donc solidarité entre peuples d'Afrique et avec le monde. Donc on a déjà M. Samir El Bakali, conseiller municipal délégué à la ville de Clermont-Ferrand, qui fait partie des intervenants. Je vais inviter également sur scène M. Pierre Saint-Amand de la CIMAD. Madame Marie Guilherme Minet de la Ligue des droits de l'homme. Et madame la directrice Iris Acop. Et j'invite Irène, qui est la modératrice de cette conférence, à s'installer également et à prendre le micro. On va peut-être commencer par nous expliquer comment ça va se passer, la conférence. Il y a un temps de parole pour chacun des intervenants, c'est ça, et puis il y a un échange avec le public. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Sachant qu'il y a aussi d'autres intervenants encore dans la salle. On ne laisse pas venir. Donc, merci encore pour votre présence ici ce soir. Et merci pour ce thème qui nous tient à cœur ce soir. Je sais que vos participations vont être très riches. Nous avons prévu pour notre conférence ce soir 10 minutes maxi pour chaque intervenant. Donc voilà, nous allons donc, je vais vous donner l'ordre. Je pense que nous allons commencer par Madame Delarue de Larisa Corp. Merci. 10 minutes. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis Delarue, je suis la directrice de RESACOP, le réseau Auvergne-Rhône-Alpes des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, on a une antenne à Lyon et on est en train de rouvrir une antenne à Clermont-Ferrand. On est soutenu par plusieurs collectivités de la région, notamment la ville de Clermont. Pour nos actions donc, d'accompagnement des acteurs qui souhaitent faire de la solidarité internationale ou de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale ici, notamment auprès des jeunes, pour les impliquer sur les enjeux globaux. Voilà, donc on a, je me suis permis aussi de travailler un peu la place particulière des diasporas dans le domaine de la solidarité, de la coopération internationale. Donc ce sont des acteurs de la solidarité internationale encore méconnus. C'est vrai qu'on a parmi ces acteurs une grande diversité, beaucoup de petits acteurs, donc difficiles à repérer, des acteurs qui interviennent parfois très localement en fait dans leur pays d'origine. De ce constat-là, en fait, il y a aussi un manque justement de structuration, d'organisation fédérative qui permettrait d'être davantage identifié ou de mutualiser des moyens ou de se professionnaliser, etc. Alors voilà, c'est typiquement le genre d'organisation que nous on a plaisir à accompagner parce que voilà, donc on propose justement des formations ou des accompagnements personnalisés pour que ces structures puissent améliorer la qualité de leurs actions et puissent en faire davantage avec plus d'impact sur le terrain. Il y a des financements pour ce type d'organisation qui existe et donc voilà pourquoi d'ailleurs on est soutenu par les collectivités et l'État français pour apporter des méthodes, des formations, de l'accompagnement personnalisé pour ces structures. Pourquoi aussi? Parce que justement, c'est, si on regarde bien, ça a été dit tout à l'heure lors des ateliers, mais ça a été dit, les migrants sont les principaux financeurs, en fait. Enfin voilà, les transferts d'argent sont bien supérieurs à toute l'aide publique au développement.
Et au-delà de ça, les migrants, en fait, peuvent apporter leurs compétences, des ressources matérielles, des ressources immatérielles à leur pays d'origine. Donc, des leviers, en fait, intéressants se retrouvent dans ces organisations-là. La connaissance de la culture et de la langue, une forte motivation car il y a un lien affectif avec leur pays d'origine, de la crédibilité vis-à-vis des autorités locales dans les pays. Et donc, en fait, on voit dans la région, par exemple, cohabiter, c'est Nicolas qui disait ça tout à l'heure, c'est vrai, on voit des associations portées par des Français de solidarité pour ces pays et des associations des ressortissants de ces pays qui interviennent là-bas et elles ne travaillent pas ensemble. Donc j'ai trouvé cette idée vraiment pertinente à creuser, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas aussi davantage faire des liens entre ces types d'organisations. Bon, c'est bien ce qu'on essaye de faire au sein de RESACOP aussi en organisant quand même des temps d'échange pays. On se relance un petit peu là-dessus. Et je pense que c'est pertinent pour permettre des échanges d'expériences et de la mise en réseau et simplement de joindre ses forces. Mais pour en revenir spécifiquement aux diasporas, on a aussi relevé tout l'intérêt que présentent ces actions de solidarité internationale, parce que là, on a une véritable réciprocité. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans... couvrir les besoins des populations là-bas, mais aussi ça part de personnes qui déjà apportent de la richesse ici. Donc on a vraiment cette notion de coopération de territoire à territoire, donc ici où ces personnes migrantes qui souhaitent intervenir dans leur pays d'origine, soit par de la solidarité, soit par de l'investissement. D'ailleurs, on a aussi évoqué ces opportunités-là. Font des choses ici déjà, puisque en fait, ils contribuent à notre richesse ici par leur travail, par leur culture, par leur réseau, et peuvent donc créer des liens avec les territoires là-bas. Alors, quelles difficultés ces organisations rencontrent-elles? J'ai parlé un peu du fait qu'elles sont petites souvent, que les ressorts ou les ficelles, on va dire, des dossiers administratifs pour trouver des financements ne sont pas aisés. Ce sont des choses que toute association en fait, qui commence met du temps à s'approprier. Trouver des financements, c'est toujours un défi. Je dirais que les organisations de solidarité internationale issues d'immigration sont particulièrement inventives par rapport à ça en général, puisque souvent elles commencent et elles financent beaucoup d'actions sur des fonds propres de la communauté, voilà, en organisant des événements, en faisant de l'appel aux dons et trouver les financements institutionnels, c'est une autre étape, voilà, et sur lesquelles il peut y avoir aussi des obstacles. Donc n'hésitez pas là, on est là pour ça justement, pour accompagner là-dessus. On a quand même donc aujourd'hui un axe de travail, donc c'est de compléter une cartographie des organisations des diasporas. Il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés avec Jean Kissito, on a fait mûrir cette idée de travailler vraiment à l'identification pour mieux valoriser aussi toute l'action des diasporas en solidarité internationale. Et on a souhaité l'élargir un petit peu plus parce que c'est vrai que la démarche là de la coordination pour le soixantenaire de l'Union africaine montre que il faut pas peut-être se cantonner simplement à la solidarité internationale, mais ouvrir aussi, comprendre un peu toutes les dimensions de l'action des diasporas vis-à-vis de leur pays, car elles contribuent aussi au développement.
dans les pays d'origine. Donc on a ouvert et donc actuellement on réalise un travail de recensement grâce à un étudiant qui nous aide à contacter les organisations. Il était là tout à l'heure, il a dû reprendre son Flixbus pour Lyon, mais il a laissé son email, donc n'hésitez pas à le recontacter pour que voilà, vous soyez aussi bien identifié à la suite de ce travail et que ça puisse permettre justement ensuite de transmettre et de partager ces informations avec d'autres organisations fédératives, parce que ce qui compte c'est de pouvoir se rassembler, c'est au moins de pouvoir échanger. Donc la CAFA ici à Clermont ou le Fab Lab à Lyon peuvent être des structures qui rassemblent et je crois que ça c'est vraiment important. Merci. Merci à vous. Donc voilà, du coup je vais faire, on va prendre la suite. Merci pour votre intervention déjà. Le mail dont Madame Delarue a parlé. Oui, le mail pour contacter l'étudiant qui a fait une très belle présentation ici tout à l'heure. Vous pouvez le noter, mais nous le renoterons encore dans les mails qui vous seront envoyés. Donc voilà. Et nous garderons les questions pour la fin, ça nous permet d'avancer tout doucement. Je vais passer la parole maintenant à Madame Marie Guillermet des Ligues de droits de l'homme. Merci. Oui, bonsoir. Moi je suis présente pour représenter effectivement la section de Clermont-Ferrand de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme qui a été créée en 1898. Et qui s'est toujours trouvée aux côtés des peuples d'Afrique dans l'ordre de la défense des droits humains et contre les discriminations. Alors, pour parler en termes de solidarité, la Ligue des droits de l'homme est solidaire dans des tas de domaines. C'est une association très pluridisciplinaire, puisqu'on est sur la défense de tous les droits, donc droits des enfants, droits des femmes, droits des prisonniers, droits des malades, j'en oublie, et puis bien sûr droits des migrants. Hein, donc je voulais juste avant, parce qu'en fait c'est ça que je connais le mieux, parce que moi je m'occupe avec bien d'autres à la Ligue et avec la CIMAD de l'aide à toutes les populations migrantes qui arrivent à Clermont et en France. Mais avant, pour la solidarité, je voulais dire aussi que la Ligue des droits de l'homme est très présente dans la défense des droits aussi pour les peuples africains et donc participe à la Fédération internationale des droits de l'homme qui a été créée en 1992 et qui regroupe actuellement 188 associations nationales et internationales pour la défense des droits dans le monde entier. Donc, il y a beaucoup d'associations de défense des droits africaines qui sont des associations solidaires avec toutes les victimes de violences, de spoliation et de discrimination. La FIDH, elle regroupe, donc je vous ai dit, 188 associations et elle représente 116 pays. Dans de nombreux pays d'Afrique. Ces associations collaborent et s'appuient mutuellement pour la défense de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945. Le siège de la FIDH se trouve à Paris et la Fédération a des bureaux de représentation auprès de l'ONU, à Genève et à New York, auprès de l'Union européenne à Bruxelles, auprès de la Cour internationale de La Haye, et elle dispose d'un bureau régional à Tunis et de bureaux conjoints à Conakry, Abidjan, Bangui et Bamako. La FDH travaille aussi avec de nombreuses autres associations collectifs nationaux ou internationaux qui dénoncent partout dans le monde des discriminations et défendent les victimes d'atteintes aux droits. Par exemple, c'est un exemple particulièrement brûlant en ce moment,
La LDH se bat depuis 30 ans aux côtés des organisations de défense des droits des victimes au Rwanda. Le 8 avril, la LDH a publié, aux côtés de la FIDH et de toutes les organisations membres, un communiqué commun mettant en France la responsabilité de la France dans le génocide. Ce communiqué, intitulé « Génocide des Tutsis au Rwanda », 30 ans après, où est la victoire, où est la justice ? La faillite des institutions et des autorités françaises. Car la justice, malheureusement, au Rwanda, se fait attendre. La LDH agit aussi aux côtés d'associations nationales dans de nombreux autres pays. Au Tchad, en ce moment, où l'un des derniers communiqués de la FIDH, aux côtés de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, réclame une enquête indépendante sur la mort de l'opposant Yahya Diallo au président Idriss Aby. En Côte d'Ivoire aussi, où on réclame justice, au Mozambique, aux côtés de 124 ONG africaines et internationales, pour demander par une lettre ouverte aux institutions financières de retirer leur soutien au projet de Total Energy au Mozambique. Ce projet gigantesque menace très gravement les écosystèmes au mépris de la santé des populations et de l'avenir de la planète et contribue à la violation des droits humains dans une région extrêmement instable et dangereuse. Pour en revenir à notre action, pour en revenir à notre action à Clermont-Ferrand, c'est vrai que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre solidarité, elle est avec les migrants qui arrivent à Clermont. Donc on œuvre beaucoup aux côtés de la CIMAD, et puis Pierre va en parler. Et puis moi je voulais juste parler de notre spécificité, qui est l'accueil des jeunes mineurs non accompagnés. Voilà. Donc les jeunes mineurs non accompagnés qui viennent quand même très principalement d'Afrique, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, de Sierra Leone, de RDC. Et donc en ce moment, clairement, on a une centaine de jeunes qui n'ont pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et pour lesquels on consacre beaucoup d'énergie, de temps et aussi l'argent qu'on a. Pour accompagner ces jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir une autorisation de rester en France. Voilà, donc c'est un type de diaspora dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je ne sais pas si on est peut-être un peu à côté de la plaque, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de ça que nous on peut parler, quoi. Voilà. Et donc, moi, je peux répondre à vos questions sur tous ces jeunes dont on s'occupe et surtout les adultes, en fait, toutes les difficultés qu'on a pour aider tous les migrants à pouvoir rester en France s'ils le souhaitent, et bien sûr pouvoir rentrer chez eux s'ils le souhaitent. Mais la plupart de ceux que nous rencontrons, ce sont des personnes qui quand même, actuellement, préfèrent rester en France, pour des raisons que vous connaissez aussi bien que nous. Merci à vous, Madame Guilherme. Je pense que nous pouvons l'applaudir pour toute l'œuvre de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que pour toutes les associations, nous pouvons aussi applaudir toutes les associations qui œuvrent pour aider, pour soutenir toutes les personnes en difficulté, qui soutiennent les migrants, que ce soit ici, qui soutiennent aussi, comme la Ligue des droits de l'homme, dans les pays partout dans le monde. Et en Afrique, c'est très louable et nous ne pouvons qu'applaudir. Par rapport aux assises de la diaspora, nous y avons évidemment pensé tout à l'heure. Ça va certainement faire partie des sujets sur lesquels nous aurons des réflexions. Nous avons des étudiants en difficulté, nous avons ces jeunes migrants non accompagnés qui arrivent. Je pense que ça fera partie de nos sujets d'attention. Merci. Merci à vous maintenant, Monsieur Pierre Saint-Amand, président de la CIMAD 63. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'abord aux organisateurs, aux organisatrices pour leur invitation. Alors, je ne suis plus président de la CIMAD 63, c'est Gilles qui est dans la salle, qui est maintenant co-président du groupe. Mais je vais quand même vous parler un petit peu des actions de la CIMAD et puis surtout de notre vision des rapports de solidarité ou de non-solidarité entre, en particulier, le continent européen et l'Afrique, puisqu'en matière de migration,
qui est le sujet dont s'occupe la CIMAD avec beaucoup d'autres associations, comme l'a dit Marie, on constate plutôt des non-solidarités entre les continents, malheureusement, plutôt que des solidarités. La CIMAD, c'est une association qui mène plusieurs types d'actions. Notre mantra un peu global, c'est solidarité active avec les personnes migrantes. Solidarité, ça veut dire des actions. C'est des permanences d'aide juridique tous les mercredis matins à Clermont pour les personnes qui sont dans des démarches de régularisation, pour les aider à obtenir ou à renouveler des titres de séjour auprès de la préfecture. Et c'est des démarches qui sont de plus en plus compliquées puisque les lois en France depuis 30-40 ans sont de plus en plus dures envers les personnes exilées. Le but est de les empêcher de venir, de les dissuader de venir, et il est de plus en plus difficile d'être régularisé. On organise aussi des cours de français, langue étrangère, parce que c'est important de parler la langue du pays dans lequel on se trouve dans sa vie quotidienne, des actions de sensibilisation en milieu scolaire ou autre, et puis des actions aussi des visites à la prison d'Orion. On a aussi la CIMAD étant une association nationale, une équipe salariée qui s'occupe d'une thématique qui s'appelle Solidarité internationale et qui mène des missions d'observation régulièrement dans plusieurs pays au plus près des personnes exilées pour voir quelles sont leurs conditions de vie dans le pays de départ sur la route de l'exil et une fois qu'elles sont arrivées dans un autre pays du même continent ou quand elles arrivent jusqu'en Europe ou en Afrique. En matière de migration, un travail qui est important pour nous, c'est de défaire un peu les idées reçues qui sont un peu matraquées matin, midi et soir par beaucoup de grands médias, par un certain nombre de responsables politiques, en particulier les responsables qui sont au gouvernement actuellement depuis 2017, où on a l'impression que la migration, c'est un phénomène énorme, très majoritaire dans le monde. En fait, dans le monde, il y a un peu plus de 3% de personnes migrantes, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans un pays différent du pays dans lequel elles sont nées. Ça veut dire que 97% des personnes dans le monde ne sont pas des personnes migrantes. C'est quelque chose qui est important de rappeler. Et parmi ces personnes migrantes, le type de migration dont on parle beaucoup dans les médias, c'est les migrations de personnes qui vont d'un pays du Sud vers un pays du Nord. Et comme on est en France et en Europe, on parle beaucoup de la migration de personnes qui viennent d'Afrique pour arriver en Europe ou en France. En fait, ces migrations d'un pays du Sud vers un pays du Nord, c'est un tiers seulement des migrations totales. Il y a aussi beaucoup de personnes qui quittent un pays du Sud pour aller dans un autre pays du Sud, qui quittent un pays du Nord pour aller dans un pays du Nord. Si demain, moi, je partais en Belgique, ben, je serais un migrant, peut-être un migrant économique. Sauf que les personnes européennes ou occidentales, on ne les appelle pas des migrants, on les appelle des expatriés. Ça doit faire mieux et c'est des termes différents pour les personnes, mais c'est la même réalité. Et pourquoi ces migrations ne représentent qu'un tiers du total? C'est parce qu'en majorité, les personnes exilées, quand elles doivent quitter leur pays, il y a plein de raisons différentes de quitter son pays, j'y reviendrai tout à l'heure. On parle souvent de raisons de conflits, de guerres ou de raisons économiques, mais il y a plein de raisons de quitter son pays. La majorité des personnes, elles vont aller dans un pays voisin. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est moins dangereux, parce que c'est moins risqué que de traverser la moitié de la planète pour aller dans un autre continent. Et les causes, elles sont multiples. Je parlais tout à l'heure des causes économiques ou de conflits, de guerres ou de menaces. Mais on peut aussi quitter son pays pour des raisons familiales, pour des raisons de santé. Et puis, il y a une cause qui va être de plus en plus importante dans les prochaines années, dont on commence à parler, mais qui va se développer énormément. C'est la cause des dérèglements climatiques que nous connaissons, et qui vont s'amplifier dans les années et décennies à venir, et qui font que les personnes qu'on va appeler des déplacés environnementaux seront de plus en plus nombreuses et nombreux. Et ça, c'est un phénomène dont on sait qu'il est inéluctable. Et il y a deux solutions par rapport à ça. Il y a la solution qui est choisie par la majorité politique actuelle en France et dans beaucoup de pays en Europe et occidentaux, c'est de se dire on mène des politiques de plus en plus dures pour être dissuasifs et on empêche les personnes de venir, quitte à rendre la route de l'exil de plus en plus dangereuse et à ce qu'il y ait plusieurs milliers de personnes qui meurent chaque année. Ce qui n'est pas le fait du hasard ou de la malchance, c'est parce qu'on rend les routes migratoires dangereuses que les gens meurent de plus en plus. Ou il y a la solution que prône la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le réseau Éducation sans frontières, beaucoup d'associations et une partie importante de la société civile qui est de dire c'est un phénomène qui a toujours existé, la migration, qui va continuer à exister et qu'il faut accompagner le mieux possible pour que les personnes puissent se déplacer en étant en sécurité.
Malheureusement, ce n'est pas la politique actuelle au niveau européen. Et dans son rapport à l'Afrique, l'Europe est encore, à notre avis, dans une situation un peu post-coloniale où, en théorie, la décolonisation a été actée, les pays sont indépendants, mais on voit bien que par les influences politiques et économiques de grandes multinationales, on sait ce qu'a fait Bolloré, ce que font Bouygues et beaucoup d'autres en Afrique, il y a un phénomène de pillage qui continue à exister, et plutôt que de parfois se réclamer d'une générosité de l'Europe envers les pays d'Afrique, on pourrait d'abord exiger la fin de ce pillage systématique. Ces politiques hostiles aux personnes migrantes dont je parlais, elles ont, la première conséquence, c'est qu'il y a l'année dernière 2500 personnes qui sont mortes sur les routes de l'exil. Le but, en fait, pour les pays européens, c'est de plus en plus d'externaliser les politiques d'asile, de créer des points de contrôle le plus loin possible de l'Europe, avec un double objectif qui est de dire on va essayer d'expulser de plus en plus de personnes qui ont, parmi les quelques personnes qui ont réussi à venir jusqu'en Europe, et puis on va surtout dissuader et empêcher les personnes d'arriver. Alors pour ça, on a développé en Europe une agence qui s'appelle Frontex, qui était une agence dont soi-disant les objectifs un peu officiels sont de surveiller ce qui se passe sur les routes de l'exil, en particulier en Méditerranée, et peut-être de protéger les personnes. Et en fait, Frontex ne fait pas du tout ça. Frontex a un rôle dissuasif. Frontex collabore avec les gardes-côtes libyens qui mettent en danger tous les jours les personnes exilées. Et Frontex a été reconnu responsable de nombreuses victimes parmi les personnes exilées qui tentent de rejoindre l'Europe. Et malgré cela, c'est une agence dont le budget explose d'année en année par rapport à sa création. Frontex a vu son budget multiplié par 20 par les pays européens. Récemment, il y a deux jours, c'est une actualité brûlante dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé dans les médias, puisque on a beaucoup parlé de la loi assez ignoble qui a été votée en France sur l'asile et l'immigration il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Mais il y a un pacte asile-immigration au niveau européen qui a été adopté par le Parlement européen il y a deux jours. Et ce pacte va avoir des conséquences très néfastes et graves pour les personnes exilées à nouveau. La CIMAD a publié un communiqué en disant que c'était une réforme indigne et contre-productive. Alors, en 30 secondes, c'est quelle est la logique de cette énième pacte ou réforme de la migration au niveau européen? Ben, c'est là aussi d'être le plus dissuasif possible, en se disant, si on m'apparaît comme étant un continent un peu hostile, et ben, les personnes exilées ne vont pas choisir d'arriver en Europe. On sait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est une politique qui est complètement contre-productive et qui, au contraire, fait de plus en plus de victimes sans empêcher les personnes qui doivent fuir leur pays pour leur survie de le faire. Donc ça veut dire des procédures accélérées aux frontières de l'Europe, où les demandes d'asile et la situation des personnes sera, et leurs droits seront complètement bafoués. Et puis le développement de plus en plus d'accords bilatéraux entre l'Europe et un certain nombre de pays qui sous-traitent en fait la gestion de la migration. On sait que là, il y a quelques années, des accords avaient été signés avec la Turquie. On connaît la politique de la Turquie et à quel point la démocratie et les droits humains sont respectés dans ce pays. Des accords identiques ont été signés avec la Libye, dont on sait que c'est un pays où des choses abominables se passent pour les personnes exilées qui transitent par ce pays. Avec la Tunisie, où les personnes migrantes, en particulier venant d'Afrique subsaharienne, sont particulièrement maltraitées et pourchassées par le pouvoir en place avec la complicité de l'Europe. Et il y a quelques jours, le dernier pays en date qui a été concerné, c'est l'Égypte, qui est aussi un pays où les droits humains sont particulièrement non respectés quotidiennement. Donc cette logique au niveau européen, on le retrouve malheureusement au niveau de la France. Je parlais de la loi asile-immigration qui avait été votée il y a quelques mois, où là aussi les personnes exilées sont particulièrement ciblées. Et il faut se rappeler aussi dans quel contexte cette loi a été votée et mise en avant. Le gouvernement, il a réactivé l'étude de la loi après l'attentat qui a frappé un établissement scolaire à Arras. Et donc, on entretient cet amalgame détestable, voulant qu'une personne exilée en France soit forcément une personne indésirable et dangereuse. Et c'est évidemment pas fait au hasard.
c'est dans une logique politique qui est toujours la même. Et d'ailleurs, la loi, elle a été adoptée avec les voix et les applaudissements de l'extrême droite. Et bien, cette situation un peu indigne, on la retrouve jusqu'à Clermont-Ferrand, puisque vous savez que depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, la préfecture fait un chantage assez odieux à un certain nombre de personnes en leur disant « soit vous acceptez une aide au retour volontaire », et bien sûr on met beaucoup de guillemets à l'adjectif volontaire, « soit on ne vous héberge plus, on vous expulse des hôtels du 115 et de l'hébergement d'urgence ». Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a une centaine de personnes qui se sont retrouvées à la rue et qui n'ont pas eu d'autre choix que avec le soutien de plusieurs associations, dont RESF et le Secours Populaire, être hébergé dans des tentes, d'abord place du 1er mai et depuis hier soir autour de la Maison du Peuple. Donc c'est un bilan, et j'en suis désolé, un peu négatif et peut-être un petit peu hors sujet par rapport au thème de la solidarité, mais quand on parle de migration actuellement en France et en Europe, on ne peut que constater une non-solidarité. Néanmoins, comme il ne faut pas être quand même complètement négatif, il y a, quand on parle de migration, aussi un certain nombre de richesses et de solidarité qu'il faut souligner. Et tout à l'heure, c'est ma voisine qui disait que l'aide au développement est bien moins importante que les apports économiques des personnes migrantes et exilées. Il y a quelques années, la CIMAD avait fait une étude qu'il faudrait peut-être réactualiser, mais disant que c'était le triple, en fait. Les aides apportées directement par les personnes migrantes à leur pays d'origine, à leur famille, à leur village, et représentaient le triple de l'aide au développement. Et ça, c'est une aide très importante parce qu'en plus, contrairement à l'aide au développement, elle n'est pas soumise à un chantage à la migration et elle n'est pas soumise à des détournements qui profitent à des personnes corrompues du départ en Europe jusqu'à l'arrivée de certains gouvernants africains. Au-delà de cet apport économique, la migration, c'est aussi un apport important au niveau social, culturel, humain. C'est aussi un aspect dont on parle très peu en voyant malheureusement les personnes migrantes comme des espèces d'outils économiques qui pourraient servir à la France ou à l'Europe dans certains domaines. Et le fait est que certains domaines économiques en France s'écrouleraient totalement s'il n'y avait pas de personnes migrantes qui travaillaient dans la restauration, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du soin à la personne. Ce sont des secteurs économiques entiers qui ne tiennent que par l'apport des personnes exilées. Merci. Encore quelques secondes pour je termine très vite. Merci. Juste un dernier préjugé contre lequel je pense qu'il est important de lutter, c'est de se dire que le développement économique d'un pays va forcément entraîner une baisse de la migration. Il y a des études qui ont été faites dans ce domaine, notamment par Claire Rodier du Justi, qui montrent que dans un premier temps, le développement économique, il va permettre au contraire un peu plus de migration, puisque les personnes auront un peu plus de moyens pour le faire. Simplement, la migration, ce n'est pas un problème, c'est un fait, comme je le disais tout à l'heure. Et juste ma phrase de conclusion, c'est de dire qu'il y a, par rapport à ce constat un peu négatif, beaucoup de solutions qui sont proposées par les associations, par la société civile, et un horizon que nous appelons liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous, qui permettrait également, ce dont on ne parle pas assez, aux personnes de pouvoir circuler plus librement, y compris entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine, et de pouvoir retourner pour les personnes qui viennent d'Afrique ou d'Europe de l'Est ou d'un autre pays, ce qu'elles ne peuvent pas faire ou ce qu'elles n'osent pas faire actuellement avec les lois en vigueur. Merci. On peut applaudir cette intervention sans langue de bois de la CIMAD. Et vraiment, notre thème était autour de la solidarité entre peuples d'Afrique et avec le monde. On ne peut que voir cette non-solidarité qui s'installe dans le monde aujourd'hui. Mais nous applaudissons aussi pour des initiatives telles que les vôtres et toutes les autres associations qui œuvrent à ramener un peu d'humanité dans ce monde qui devient de plus en plus de brut. Merci à vous. Avant de continuer avec notre ministre élu, nous allons passer la parole. Je vous ai dit qu'il y aurait aussi des intervenants dans la salle. Mademoiselle Mélissa Taoui-Sira, qui est... je vais laisser qu'elle se présente. Bonjour. Donc, je m'appelle Mélissa Sira Traoré. Je suis artiste pluridisciplinaire. Depuis un an, en fait, je travaille autour d'un projet de documentaire qui est sur les traces du tissage artisanal et traditionnel sur le continent africain. Donc, par des dessins, des enregistrements vocaux, des photos et des textes, je restitue à travers ce projet les expériences vécues sur les territoires. C'est un peu un reportage qui décrit un patrimoine vivant par un assemblage de médias.
Et la restitution en France prend la forme d'une exposition visuelle et sonore qui est proposée à des lieux du patrimoine culturel ici. Alors, le thème de cette plénière est « Solidarité entre les peuples d'Afrique et avec le monde ». Généralement, lorsqu'on parle de solidarité entre les peuples d'Afrique et avec le monde, on fait référence à des associations, des ONG, des dons, etc. Une manière d'être solidaire serait peut-être aussi de réfléchir à la manière d'enrayer le fantasme de l'immigration. J'entends par là une réflexion et un changement de position pour chacun d'entre nous. Les peuples d'Afrique doivent se saisir de leur capacité pour se développer dans le sens qui sera le mieux pour eux. Et je mets bien le terme « développement » entre guillemets, car il me semble que c'est un terme assez mal choisi pour définir ce que doit être l'objectif de ces peuples-là. Dans toute époque, comme dans tout lieu, comme le disait, j'allais dire le président de l'ESIMAD, mais non, il y a eu des migrations. Les hommes se sont toujours déplacés pour des raisons de sécurité, de santé, de pauvreté, familiaux et bientôt effectivement environnementaux. Mais le fantasme d'immigration à enrayer dont je vous parle est celui qui amène des individus à penser que ce que l'autre a chez lui est plus important, est mieux et a plus de valeur que ce que l'on a. Et je dirais même que ce que l'autre est a plus de valeur que ce que l'on est. Le FMI définit la pauvreté d'un pays ou d'un individu comme le fait de ne pas avoir assez d'argent pour répondre à des besoins de base. La nourriture, la capacité d'un pays à loger ou pour un individu à se loger, la capacité de consommer. Pardonnez-moi, mais à travers mon expérience de l'Afrique et surtout le dernier voyage effectué pour mon projet, s'il y a bien une chose que j'ai remarquée, c'est que les Africains savent se nourrir et être solidaires avec ceux qui ne le peuvent pas. Ils savent être créatifs et inventifs pour se loger, et leur capacité à consommer est bien plus grande par bien des prismes que celle de beaucoup de Français. Je crois qu'il y a à reconsidérer la définition de la pauvreté des terres des pays africains et à valoriser l'intelligence de ces Africains à se saisir de leurs ressources. Il y avait 4 empires en Afrique avant la colonisation et la mise en place de frontières par l'Europe coloniale. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire du Songhai et l'Empire Monomotapa. Ces empires étaient connus comme riches et s'appuyaient sur une idéologie communautariste et non individualiste. Comme dans les empires d'Europe, il y a eu dans ces empires-là des épopées, des hommes avec un grand H qui ont marqué les histoires. Mais que sont devenues ces histoires et que sont devenus ces héros ? Je m'imagine souvent les pays africains comme des hommes qui avancent dans la vie sans aucune mémoire ni souvenir d'où ils viennent. Par ce fait même, ils essayent de se conformer à d'autres dont l'histoire et la culture n'est pas la leur. Il me semble qu'il y a une urgence à ce que les peuples africains se réapproprient leur histoire et leur identité afin qu'ils perçoivent leurs ressources et leur capacité à se définir non pas en comparaison des pays occidentaux, mais sur une même ligne d'égalité. Et c'est bien au peuple africain de faire ce travail, s'informer de la réalité de vie dans les pays occidentaux, quitter le fantasme de l'Eldorado, éduquer les populations sur leur histoire, réapprendre de leurs héros, revaloriser la culture africaine, valoriser les opportunités en Afrique, sensibiliser les familles, car beaucoup refusent le retour de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, etc., même si ceux-ci souhaitent rentrer pour développer leur pays autrement. Sensibiliser les Africains qui vivent en Occident. Non, il n'y a pas à continuer à faire vivre et à entretenir le mythe qui dit que l'Occident est mieux. Ce qui est mieux, c'est là où on se sent bien et là où on peut se construire. Développer l'esprit de solidarité, l'amour de l'autre, de son environnement, de soi. Parce que beaucoup d'individus africains aujourd'hui pensent que pour avoir de la valeur, il faut être meilleur que ses frères, c'est-à-dire... excusez-moi l'expression, leur tirer dessus afin qu'ils ne s'en sortent pas mieux que soi. Ce qui est tout le contraire de la société traditionnelle africaine où il n'y avait pas d'appartenance d'un bien à une seule personne et que le bien appartenait à tout un village. Je crois également que les gouvernances ont une responsabilité à permettre à des individus d'advenir ou non, car penser sa vie, c'est la construire. Aujourd'hui, c'est aux Africains de se prendre en main. C'est pour cela que les initiatives comme celle de ce jour sont à encourager et à valoriser. Les associations de la diaspora africaine, et pour moi elles comprennent aussi les Africains qui vivent sur leur territoire,
doivent s'organiser et encourager les actions qui permettent une éducation et la réappropriation de l'histoire de ces peuples, puis aider et accompagner leurs semblables à penser l'entrepreneuriat avec les bases de la solidarité africaine. Il s'agit bien de permettre aux peuples d'Afrique de se ressaisir de leurs ressources et des ressources qu'ils ont, mais qu'ils ne perçoivent plus. Je vais finir mon propos avec un poème que j'ai écrit il y a déjà un an et demi, je pense, qui s'appelle « Mémoire ». Un homme sans mémoire est un homme perdu. Il erre dans son corps à la recherche d'un monde disparu. Il passe ses matins dans la grisaille des peut-être, ses journées à la lumière des et si, ses soirées dans l'ombre des pourquoi, ses nuits à l'agitation de l'oubli. Un homme sans mémoire est un homme perdu. Il pense, ressasse et présume ce qui a disparu. Figé dans l'inconnu de son être, sa solitude intérieure l'abîme. Il est cloué, au sol, ne parvenant pas à exister. Un homme sans mémoire est un homme perdu. Quelle considération peut-il avoir pour celui disparu ? Ses racines desséchées ne savent où tremper. Il ne sait plus. Il est et il n'est pas. Fleur qui fane au soleil, au lever du soleil, les pieds pourtant dans la rosée. Un homme sans mémoire est un homme perdu. Il vit tapis au fond d'un lui disparu. Recroquevillé dans une histoire qu'il voudrait pouvoir imaginer sienne, ses pieds tanguent sur les fondations inconnues des demains qui chavirent on ne sait où. Un homme sans mémoire est un homme perdu. Il fantasme ce qui n'a jamais été et rêve de paysages intérieurs disparus. Le jour, il s'habille d'apparence et fait avec des comme si alors qu'il se sent comme rien. La nuit, il suffoque et est hanté par des fantômes. Fantômes sans visage, mais quand vas-tu arrêter d'empêcher de respirer ? Un homme sans mémoire est un homme perdu. Il erre dans son corps à la recherche d'un monde disparu. Il passe ses matins dans la grisaille des peut-être, ses journées à la lumière des et si, ses soirées dans l'ombre des pourquoi, ses nuits à l'agitation de l'oubli. Bravo. Merci Mélissa, nous avons gardé pour la fin notre élu. Donc, la parole est à vous. Le citoyen. On dit meilleur pour la fin. J'ai rien dit. Évidemment, avant de commencer, moi-même, j'ai pensé aux familles étrangères, parents et enfants qui sont à la rue chez nous ici à Clermont-Ferrand. À savoir que l'État a le devoir de les héberger dans des conditions dignes. Ça brise vraiment le cœur d'assister à cela dans le pays des droits de l'homme, la France. Alors moi, lorsque j'ai vu le thème solidarité africaine, solidarité, donc solidarité, on est tous là, on a tous la solidarité, et africain, on est deux. La solidarité pour moi, c'est plusieurs visages, et tout le monde peut l'utiliser. Sauf que ça existe, surtout chez les personnes qui ont peu de moyens. C'est là où il y a plus de solidarité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en changeant de continent ce matin, j'étais en Afrique, là maintenant je suis en Europe, donc dans l'avion j'étais en train de dire mais qu'est-ce que je vais dire sur la solidarité, et en même temps moi j'ai jamais posé la question à moi-même c'est quoi la solidarité. Donc je l'ai posé, cette question à moi-même. J'ai commencé à chercher, j'ai choisi quelques phrases que je vais partager avec vous. La solidarité donc représente une relation d'aide entre des personnes partageant les mêmes intérêts afin de poursuivre leurs objectifs. Au sein de la société, la solidarité reste importante pour lutter contre l'isolement. Elle peut prendre la forme d'une aide financière, d'un soutien moral ou d'une aide en nature, voire de l'accueil de réfugiés. La solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Sociologues, économistes, anthropologues, acteurs du développement, écrivains occidentaux africains, tous s'accordent à dire que l'Afrique
est une terre de solidarité. Mais au-delà de ce constat, unanimement partagé, les analyses divergent. Les uns y voient une incomparable richesse et une possible leçon donnée par l'Afrique à l'Occident. La solidarité africaine est spontanée et naturelle. Elle repose essentiellement sur le don de soi pour son prochain. En chaque Africain germe le besoin d'être solidaire. Alors, ici, à Clermont-Ferrand, je donne un exemple. Moi-même, je n'ai jamais pensé que je vais le vivre, parce que je ne suis pas la génération du tremblement de terre de Agadir qui a frappé le Maroc. Eh bien, on était là, un jour, le soir, quelqu'un qui nous appelle dit « Tiens, le Maroc est rentré en tremblement de terre ». Donc la première chose que j'ai faite, j'ai appelé les amis dans Lionel, parce qu'avec Lionel, il y a 3 ans, je pense, on a monté une association, un collectif d'associations où il y a Afrique Horizon, il y a la CAFA, il y a Mosaïque, il y a Tout et Tous Ensemble, L'Air de Rien, Clermonde et l'association culturelle mauroise. Et voilà, Over Maghreb, ok. Alors nous avons, j'ai demandé à mes amis africains et franco-africains de se rassembler pour essayer de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, pendant 3 réunions, la salle a été pleine, où il y avait des personnes de diverses origines, et on a dit qu'est-ce qu'on doit faire pour des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont été attaqués par un événement qui s'appelle tremblement de terre. Et sans rentrer dans le détail, vous savez, un tremblement de terre, c'est un événement qui dure quelques secondes et qui provoque, en lien avec l'intensité du tremblement de terre, et qui provoque des dégâts, suivis par les répliques qui vont provoquer d'autres dégâts. Et surtout, la difficulté, c'est après le tremblement de terre. Ce n'est pas le moment du tremblement de terre. Après le tremblement de terre, vous avez des personnes handicapées, vous avez des routes barrées, vous avez des personnes qui n'ont pas d'eau, vous avez des personnes qui ont besoin de l'aide morale aussi. Les écoles qui tombent, et là, on a besoin de reconstruire les villages. Et malheureusement, donc ce tremblement de terre qui a frappé le Maroc le mois de septembre dernier, il a frappé un endroit où n'importe quel géologue, qu'il soit marocain ou européen ou américain, ne peut jamais dire que cet endroit-là va rentrer en tremblement de terre, la région de Marrakech. Là, logiquement, vous savez très bien, les tremblements de terre, c'est toujours vers les frontières des plaques. Et c'est rare, on a ce qu'on appelle des tremblements de terre intraplaques. Ça a existé ici à Clermont-Ferrand, il y a un tremblement de terre intraplaque qui a touché la partie nord de Clermont-Ferrand, mais il y a plusieurs années. Donc on a décidé de faire une grande soirée conviviale. Et on a été étonnés parce qu'on avait beaucoup de groupes. On ne pouvait pas accepter tout le monde. Il y a 9 groupes qui sont venus gratuitement et qui ont partagé avec nous donc, cette soirée conviviale. Il y avait des groupes qui viennent des Maorés, il y avait des groupes marocains, il y avait des groupes comoriens, il y avait la Miss aussi qui s'est déplacée, pour aussi présenter son soutien. Et nous avons récolté. Et il y avait une buvette aussi très importante, organisée par des femmes franco-africaines. Et nous avons récolté une petite somme de 3500 euros, que nous avons envoyé directement à une association qui travaille sur place, qui s'appelle Sorya. Alors Sorya, c'est en arabe. Et Sorya, ça veut dire arroser, arrosage. Donc cette association va chercher l'eau là où il n'y a pas, et elle va acheminer l'eau dans des villages où il n'y a pas l'eau. Donc on a été contents parce qu'ils nous ont envoyé un enregistrement des enfants qui nous remercient et qui pleuraient de joie. Parce que vous savez, vous l'avez bien dit, on parle beaucoup d'immigration, immigration, immigration. Mais demain, il y a 2 choses. La société va se transformer. Soit on est solidaire et on va vivre en paix, soit on va vers direction nationalisme, extrémisme, c'est chez moi, personne ne rentre. Sauf qu'il n'y a pas de chez moi. Vous savez, il y a des pays qui sont très riches aujourd'hui. Sauf que demain, il y a le niveau des océans qui va augmenter. L'augmentation de la température, transformation de paysage. Même s'ils ont l'argent, ils sont obligés de partir ailleurs. Donc si on leur ferme la porte, eh bien, ils vont utiliser la force. On parle, donc, et je ferme parce qu'il faut que je vous donne la parole, parce que immigration, on oublie une autre immigration. On ne parle pas beaucoup. Récemment, j'entendais à la télé que le gouvernement français a régularisé 2000 médecins. J'ai rigolé, je dis, mais il faut qu'ils leur disent merci. 2000 médecins
on n'a pas de médecin en France aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on appelle un ophtalmologue, il faut attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors que de l'autre côté, l'Afrique, moi j'étais au Maroc, j'ai mon frère est ophtalmologue, on appelle l'ophtalmologue pour 2 jours, 3 jours. Donc il ne faut pas qu'on ramène ces médecins ici, il faut les laisser là-bas. Parce que si on ramène ces médecins, ce qu'ils nous disent maintenant, l'immigration choisie, ça veut dire j'ai besoin des maçons, je ramène les maçons. J'ai besoin des médecins, je ramène les médecins. Et les autres, ils vont rester sans maçon et sans médecin, et ils vont venir ici vivre avec leurs médecins et leurs maçons. Voilà, je finis là, je vous laisse la parole. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités, tous nos intervenants. Je pense qu'on peut encore applaudir pour tous. Des questions, si vous avez des questions dans la salle, je pense qu'on va prendre... Il y a un seul. Merci à Irène de cette animation de qualité. Et je pose la première question, parce que je vais en nombre en fait. Je les pose après, vous vous débrouillez pour répondre. Mais pas la première, parce que je l'ai fait exprès, je la pose à Rezakop et à Jocelyne. Selon ce discours, tout ce qu'on a présenté pour les assises et les diasporas, selon vous, c'est quoi vos projets, vos soutiens, vos accompagnements que vous envisagez à offrir à nous, les diasporas? J'ai la deuxième question, je vais la poser à mon ami Samir, parce que je sais que tu viens de rentrer du Maroc et tu as vécu des choses. Tu as passé des bons moments là-bas, mais je vais me venger. Quelle stratégie proposez-vous pour réussir ce projet des assises de diaspora africaine selon ton expérience ici et là-bas? Après la troisième, je crois qu'elle est générale. Je ne sais pas si la Ligue des droits de l'homme ou bien si M. Saint-Amand, que je connais très bien. Au lycée Sibouane-Apollinaire. Quelle issue en fait auront les migrants dans l'avenir selon vos accompagnements et vos expériences à leur côté? Alors, comme merci beaucoup pour la question déjà. Donc on a besoin de, pour adapter ce qu'on propose, de mieux connaître effectivement les associations des diasporas. Donc c'est la démarche qu'on a avec Vigens de creuser un peu plus en fait quelles sont exactement les spécificités de ces organisations par rapport aux actions de solidarité internationale, voire aussi d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ici, parce que c'est des dimensions aussi que ces associations elles peuvent porter à travers leurs actions sur notre territoire régional. Après, donc aujourd'hui, on n'a pas des services ou des soutiens spécifiques ou adaptés à ces particularités, peut-être qu'on va essayer de creuser. Mais si je vais quand même les relister rapidement pour que vous sachiez en quoi vous pouvez nous demander un appui. Donc, on fait des formations au montage de micro-projets. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est des formations en ligne qu'on a placées le samedi maintenant pour faciliter les choses. Et donc, il y a 4 modules de formation pour monter des micro-projets. Et ça permet d'améliorer en fait la façon dont sont formulés les projets pour pouvoir accéder à des financements tels que... l'agence des micro-projets ou le forum. Ensuite, on peut faire de l'accompagnement personnalisé. Donc, on a un petit bouton sur notre site qui est sur la première page, être accompagné. Donc là, vous cliquez, vous remplissez un formulaire, vous dites moi, en fait, j'ai besoin de vous présenter mon projet directement. Je veux avoir un petit retour, etc. Et donc là, on prend en contact déjà pour un premier rendez-vous. Ensuite, soit on vous oriente sur la formation, soit on commence aussi à parler directement de votre projet pour l'améliorer. Et puis, on peut vous donner des pistes d'accès à des financements, de partenariats,
d'autres associations dans la région qui travaillent dans la même zone que vous, peut-être dans le pays en question, ou sur les mêmes thématiques, des ressources justement techniques en fait sur les projets, par exemple eau, assainissement ou déchets, etc. On a beaucoup de supports qui peuvent vous être utiles. Ensuite, donc on a des temps de mise en réseau, donc on essaie de les développer aussi un peu plus. Donc comme je le disais, peut-être des temps d'échange par pays, des temps d'échange thématiques. Donc là encore, souvent c'est sur l'eau et l'assainissement, parce que ça c'est un des besoins essentiels. Mais on va sûrement en organiser sur d'autres thématiques. Voilà. Comme je l'ai dit, on reconstitue une antenne à Clermont. Donc on a à cœur de proposer en fait de nouvelles choses. Donc qui vont devoir être définis en fonction des besoins aussi et du tissu associatif existant pour pouvoir coller au mieux avec vos besoins. Et puis je crois que Rachida, vous avez bénéficié du TD ICOM. De l'exprès. Je connais bien l'organisme. Voilà, donc on a aussi un appui par des étudiants en licence de communication qui pendant un an peuvent vous accompagner, aussi le Fab Lab d'ailleurs pour le soixantenaire de l'OIA. Donc des étudiants en communication peuvent vous accompagner pendant un an sur l'amélioration de la communication de votre association, que ça soit la communication institutionnelle, site internet, réseaux sociaux, plaquettes ou événementiel, etc. Voilà, par exemple un peu une diversité d'appui qu'on peut vous apporter. Alors, pour que la diaspora soit efficace, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a peur de rester entre nous, parce qu'ils disent le communautarisme. Je vous raconte une histoire de Lilian Thuram. Il jouait en Italie, et un jour son entraîneur il sort, il le voit en train de manger avec des joueurs noirs. Donc il l'appelle, il lui dit, Thuram, pourquoi vous mangez contre vous? Donc Thuram il tourne, il voit une table où il n'y a que des blancs. Et lui dit, mais pourquoi là-bas ils mangent entre eux? Parce que là on tombe dans ce piège de communautarisme. C'est pas ça le communautarisme. On peut être un groupe de personnes pour travailler autour d'un sujet. Et évidemment c'est humain, lorsqu'on travaille autour d'un sujet, on travaille un sujet qui nous concerne, c'est humain. La deuxième des choses, il faut qu'on enlève aussi ce complexe d'infériorité. Et il faut se battre contre le complexe de supériorité. Parce qu'aujourd'hui malheureusement, lorsqu'on est quelque part, il y a des gens qui vous croisent, vous êtes arabe ou noir, déjà, ils croient qu'ils sont supérieurs. Déjà, dans leur tête, ils vont gagner, ils disent c'est bon. Donc ça veut dire que la personne en face, il faut qu'il fasse des efforts pour lui expliquer qu'il est un citoyen, docteur, qu'il est médecin. Et il y en a des fois qui disent, ah bon, c'est comme si c'est pas normal. Et autre chose, il faut que la diaspora aussi devienne solidaire. Devienne solidaire parce que le problème, il nous concerne tous et toutes. Lorsqu'on parle du racisme, j'ai toujours dit, les premiers qui doivent être devant, qui doivent se battre, ce sont les personnes racisées. Quelqu'un qui va me défendre, il ne connaît pas le racisme, il n'a jamais été victime du racisme. Il vient me défendre, il ne va pas me défendre. Qui ici n'a pas été victime du racisme? Qui? Un regard, une réflexion, une question un peu bizarre. Donc, pour combattre ce racisme, il faut la diaspora, il faut qu'elle fasse des efforts. C'est comme, et le sait très bien Lionel, quand est-ce que nous on a monté ce collectif, c'est au moment où ils ont écrit sur les murs de l'université, pas à l'extérieur, l'université. Et comme vous savez, l'université, c'est un lieu saint, c'est la Mecque de tout le monde. Lorsqu'on va à l'université, on n'a pas envie de savoir ce qui est le musulman, qui est athée, qui est juif, donc c'est la science. Et ils ont écrit « Noirs, rentrez chez vous, les Arabes, rentrez chez vous ». Eh bien, on a fait quoi? On est sortis pour dénoncer. Ils n'ont pas le droit d'écrire ça. Parce que c'est un acte raciste. Et aujourd'hui, si on se laisse faire, ben, malheureusement, parce que le racisme, c'est un phénomène qui va nous empêcher de travailler ensemble, de faire des projets ensemble, d'avancer ensemble. Et je finis par la diaspora, il faut qu'ils s'intéressent à la politique. Les chaises vides,
Les gens qui viennent disent, ouais, ils ont enlevé l'abaya. Ben oui, l'abaya, t'es présent, toi, pour parler de l'abaya? Exactement. Et alors que la présidente, la femme du président, le lendemain, on a vu une photo avec l'abaya. Mais ils ne l'ont pas appelé l'abaya. Donc, nous, il faut qu'on s'intéresse. À part, évidemment, moi, je le dis, je n'ai pas peur, l'extrême droite. C'est notre ennemi. C'est un ennemi qui est très intelligent aujourd'hui, qui est en train de parler à notre langage, très gentil. N'oubliez pas que le fascisme, au départ, lorsqu'il est venu en Europe, il était très gentil. Donc là, il faut qu'on s'intéresse, il faut qu'on... Ok, le domaine associatif, mais la politique. La politique va nous permettre aussi de s'exprimer, va nous permettre aussi de voter des lois. Donc voilà, si on ne fait pas ça, ben on va rester derrière. Et on n'est pas tout à fait, parce que lorsque je vois le combat des femmes, ils nous ont dépassés. Donc là, on est resté derrière. Aujourd'hui, le combat des femmes a gagné. Pourquoi? Parce que les femmes sont ensemble et ils ont gagné leur combat. La plupart, ils ont gagné leur combat et ils vont le gagner demain plus que nous. Donc nous, on a du retard. On a du retard et il faut qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble, évidemment, autour des sujets qui nous concernent et en même temps autour des sujets qui concernent le pays où nous vivons, la France, la République. Et on doit nous défendre la devise de la République. Égalité, la fraternité, la liberté. On doit les défendre. La laïcité, on doit la défendre. Il ne faut pas avoir peur. Parce que malheureusement, ce sont ceux qui se prétendent des Français de souche qui sont en train de fracturer, de casser cette devise de la République. Donc si on fait tout ça, Rachida, je pense qu'on va gagner beaucoup de choses. On va convaincant. Bravo. Vous voulez me répéter votre question concernant... Alors, celle-là, c'est... J'enlève les... J'ai dit, par exemple, parce que je vois que vos interventions à deux, elles sont complémentaires. Oui, oui. Mais de toute façon, voilà. Je vais répondre un peu, puis après, je passerai au micro. C'est que je voulais savoir, en fait, selon... Parce que nous, on a fait pas mal de... On a reçu pas mal d'informations concernant le diaspora grâce à nos intervenants, mais vos interventions, en fait, elles sont complètes, comme j'ai dit. C'est quoi, en fait, toutes ces souffrances des migrants, ce retard de renouvellement, même l'obtention, en fait, parce que moi, j'en ai pas mal au sein de la CAFA, et qu'est-ce que vous envisagez, en fait, pour qu'on soit efficace? Parce que ce matin, j'avais droit à une leçon en tant que présidente de la CAFA, j'ai raconté à notre élu, comme quoi on est moins investi derrière ces jeunes. Vous, je crois que je connais très bien la CIMAD grâce à mon ami Nicolas, et aussi je connais, parce que j'ai déjà fait 12 réunions avec la Ligue. Voilà. C'est quoi que vous nous proposez, en fait, pour que nous, les associations, parce qu'on est impuissants. J'ai essayé, j'ai insisté à 10 réunions, mais la phrase qui m'a mon ami Samir m'a orienté vers une personne et m'a dit, vous les associations, vous n'avez qu'à trouver des familles d'accueil à ces jeunes. Elle savait que nous, on n'a ni les moyens, ni les compétences pour affranchir ce pas. Je voudrais poser ma question parce qu'elle oui. va dans le même sens oui. et elle s'adresse justement à vous. C'est pour ça que je vais prendre la parole comme ça. Vous allez répondre... Oui. Vous allez répondre en même temps. Ma question va dans le même sens. Rachida a posé la première partie de la question. Moi, je vais aller sur la deuxième partie parce qu'il y a quelques années encore, ces problèmes migratoires se posaient et peut-être même plus graves. Qu'aujourd'hui, parce que je me rappelle de l'époque de Pasqua, où on ne pouvait pas marcher, quand on n'avait pas de papier, on était systématiquement mis en prison. Et à côté, même les membres de la famille, d'une même famille, ne pouvaient pas accueillir quelqu'un sous peine d'emprisonnement. Donc, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ça, mais ça continue. Au point où moi, j'ai couru des risques par la CIMAD, par le biais de la CIMAD,
j'ai été marraine, justement parce que moi je me disais, quand on me met en prison, il n'y a pas de problème, je vais assumer. Donc j'ai été marraine par le biais de la CIMAD. Je demande alors, dans le même sens que Rachida, aujourd'hui, quelle a été l'évolution? Parce que j'ai l'impression que nous en sommes au même point, on a toujours les mêmes problèmes. Quel est l'apport? Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que diaspora à vos côtés pour essayer de changer la situation? Pourquoi la CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme ne sont pas entendues par la population? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule minorité, qui est peut-être la nôtre, qui comprend le travail que vous faites sur le terrain et vis-à-vis des personnes. Mais comment faire pour que ce soit entendu, ce soit vu, ce soit su par tout le monde? Merci. Comme moi, je ne sais pas répondre à cette question. À ces questions, je ne sais pas répondre. Vraiment. Moi, il me semble que, en tout cas, à la Ligue, les personnes de la Ligue, on se bat sur deux tableaux, je dirais. C'est-à-dire que, moi, il me semble que le combat principal, il est politique. C'est-à-dire que tant qu'on amène au pouvoir, que la société française amène au pouvoir des gens qui font les lois qu'ils font, en particulier dans le domaine de la migration, je pense que on se bat. On est, moi, moi, ma façon d'en parler, c'est de dire que on est un peu gardien de l'utopie. Voilà. On a des utopies, on a des désirs, on sait comment on voudrait que ce soit, et donc on se bat pour ça. Mais sur le plan politique, voilà, la lutte pour moi, elle est principalement politique. Et puis mon autre tableau, c'est l'aide, effectivement, le soutien au quotidien avec les gens en difficulté qui arrivent. Hein. Bon. Donc à ce moment-là, je suis dans un travail d'assistance juridique, moi surtout, hein, pour essayer d'obtenir les régularisations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile parce qu'il n'y a pratiquement plus de failles pour obtenir la régularisation des personnes qui arrivent. Il n'y a plus d'entrée, quoi, dans la loi. La loi est sans cesse, comme le disait Pierre tout à l'heure, elle est sans cesse réajustée pour refermer toutes les failles qui permettaient des régularisations des personnes qui arrivent. Pour les mineurs, je ne vous en parle pas plus, mais c'est terrible. Et avec la complicité des services de l'État, les services régionaux, la justice, une espèce de complicité qui fonctionne très bien et qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir que ces jeunes soient reconnus dans leur minorité et puissent ensuite s'installer en France comme ils le souhaitent, le jour où ils voudront partir, où ils auront les armes pour partir. Nous, on ne demande que ça, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut demander aux associations? Bah oui, on pourrait demander aux associations africaines d'être à nos côtés, mais elles le sont sans doute, d'être à nos côtés dans les luttes politiques et puis dans les luttes au quotidien dont je viens de parler. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé avec un jeune étudiant. Et je lui disais, ah ben oui, c'est bien si vous... parce que c'est vrai quand même que nous qui nous occupons de ça depuis très longtemps, par exemple les unions africaines étudiantes, on les voit jamais. Donc quand on a des étudiants africains qui sont en difficulté, on connaît quelques profs à l'université qui d'ailleurs nous interpellent parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Tous les gens qui sont bloqués dans les demandes de titre de séjour, nous, on aimerait bien, effectivement, avoir des interlocuteurs d'associations africaines, oui, ça c'est vrai. Et pour les personnes, pour tout le monde, pour les mineurs, c'est plus, effectivement, de l'assistance. On a besoin de monde, hein. Nous, sur l'aide aux migrants, aux mineurs, ils sont 100 en ce moment,
hein, donc pour lesquels il faut tout faire, hein, de leur premier accueil, leur trouver à manger, leur trouver des hébergements, trouver des avocats, à obtenir les passeports dans les ambassades, toute la lutte, et on est 10. Voilà. Donc s'il y a des associations africaines qui veulent venir nous aider, elles sont bienvenues. Voilà, bon, je ne sais pas si je réponds vraiment, mais c'est ça qui est bien. Je passe la parole à Pierre. C'est une question compliquée parce qu'effectivement, on peut faire le constat aujourd'hui que les idées défendues par la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme, elles sont minoritaires dans le pays, qui ne sont pas écoutées. Et donc forcément, ça veut dire que nos stratégies, elles n'ont pas toujours été les bonnes et qu'il faut toujours penser à ajuster nos actions et qu'on peut bien sûr pointer des choses sur le fait que les grands médias sont possédés par quelques milliardaires qui ont souvent la même opinion, et donc pour toucher l'opinion publique, c'est très compliqué. On peut pointer beaucoup de choses, mais c'est aussi à nous de nous remettre en question et de réfléchir à faire évoluer nos actions. Et un peu comme Marie, je dirais qu'il y a deux niveaux pour moi dans ces actions et de soutien et de rencontres possibles. Il y a les actions que nous menons au quotidien pour accompagner les personnes, que ce soit des cours de français, que ce soit des conseils administratifs et juridiques. Et comme la Ligue des droits de l'homme et comme beaucoup d'associations, nous on sommes dans un constat où on manque de personnes bénévoles. Parce qu'en fait, plus le combat est tellement large et compliqué que plus nous avons de personnes bénévoles, mieux on se porte. Et que s'il y a des personnes volontaires, et ben, elles seront bienvenues à la Ligue des droits de l'homme, à la CIMAD et à RESF et dans d'autres associations. Et le deuxième niveau, c'est le combat politique, et c'est un niveau sur lequel on a beaucoup de réflexions à la CIMAD actuellement pour faire un peu évoluer nos actions. Parce que la CIMAD, pendant longtemps, la seule action qu'on menait, et peut-être la seule action pour laquelle on était connu, c'était les actions de soutien administratif juridique, où la CIMAD avait un peu une image d'expertise, parce qu'on a des salariés qui sont très bien formés, qui sont à Paris ou à Lyon et qui nous conseillent. Et puis on a aussi des bénévoles à Clermont qui sont des expertes, parce que c'est plutôt on a beaucoup de plutôt des femmes qui sont à la CIMAD bénévoles depuis son origine en 1939, et ça continue. Mais cette priorité donnée au droit, elle a ses limites avec des lois qui sont de plus en plus compliquées, et y compris des fois où on dénonce des choses en disant bah, c'est pas logique, la loi vous impose de respecter ce droit, vous ne le faites pas, et où les gouvernements disent ben, pas de problème, on va changer la loi et la pratique qui était illégale devient légale. Donc on voit bien que cet outil du droit, ça reste indispensable, mais c'est plus le seul outil dont on peut se servir. Un peu comme dans une caisse à outils, si on n'utilise que le tournevis et qu'on ne prend jamais le marteau ou la scie, eh ben on ne va pas pouvoir construire la maison. Et peut-être qu'on a, nous, trop longtemps, utilisé que le tournevis. Donc le marteau et la scie, c'est quoi? C'est ce que j'appelais tout à l'heure les actions de sensibilisation. C'est toucher l'opinion publique. Parce que quand on se rend compte que quand on mène des actions en milieu extérieur, place de Jaude, jardin Lecoq ou ailleurs, sur 10 personnes qu'on va rencontrer, il y en a une ou deux qui vont nous dire ah ben, c'est bien ce que vous faites, ça va dans le bon sens et il faut être solidaire. Et puis il faut, entre parenthèses, juste respecter la devise de la République. Liberté, ça veut dire aussi liberté de circulation et d'installation. Égalité, ça veut dire égalité des droits pour toutes et tous. Et fraternité, c'est pour toutes les personnes. Donc sur les 10, une ou deux qui vont nous dire ça, deux ou trois qui vont être hostiles en disant non, c'est terrible, les étrangers nous envahissent, c'est des gens dangereux, ils mangent nos enfants, ils dévorent tout le monde. Bon, voilà. On sait pour qui ces personnes votent et c'est sûrement compliqué, un travail de long terme. Mais la majorité des personnes, les 5 ou 6 autres, elles vont nous dire « je ne connais pas le sujet ». Je ne sais pas qu'en France, il y a des centres de rétention qui sont des endroits qui ressemblent à des prisons où on enferme des enfants simplement parce que leurs parents n'ont pas les bons papiers au bon moment. Donc on a un très gros travail à faire pour faire connaître ça. Et ça, c'est le combat politique. Et je pense qu'on peut vraiment travailler ensemble à des événements comme celui d'aujourd'hui, d'organiser des concerts, des moments, et notamment beaucoup, je pense, sur l'espace public. Il faut vraiment qu'on aille en extérieur. Place de Jaude, les gens, ils descendent du tramway, et c'est des gens qui ne viendront pas forcément à une conférence qu'on va organiser les uns les autres. Allons au jardin Lecoq, allons place de Jaude, organisons des choses pour faire connaître ces sujets-là. Et je pense que plus on sera nombreuses et nombreux,
dans les personnes et dans les associations à faire ce travail, de travailler l'opinion publique à l'extérieur. Et oui, c'est un travail de fourmi et c'est du long terme. On sème et peut-être qu'on récoltera dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais c'est la seule solution, à mon avis, pour qu'on arrive à gagner le combat politique. Et là-dessus, on peut vraiment travailler toutes et tous ensemble voilà, à l'extérieur pour des gens qui ne connaissent pas les sujets. Merci beaucoup. Il y a juste une chose que je voulais rajouter, c'est les efforts qu'on fait. Juste une minute. Oui. C'est les efforts, enfin, on essaie, surtout avec les jeunes, parce que c'est très. Ce qu'on peut dire aussi, quand même, c'est que quand on fait des actions, quelles qu'elles soient, de protestation ou de revendication, on est très peu suivi par les migrants eux-mêmes, parce qu'ils sont dans de telles difficultés. Qu'ils ont autre chose à faire que de se battre à nos côtés. Et puis le jour où ils en ont moins, et ben ils sont installés et ils ont envie d'être tranquilles. Donc c'est vrai qu'on a cette difficulté-là. Et ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on travaille beaucoup avec les jeunes à les impliquer, à leur faire. À réfléchir ensemble pourquoi ils sont là. Et pourquoi ils auraient pu normalement rester chez eux, là où il fait bon vivre, comme disait, enfin là où ils ont envie de vivre, c'est-à-dire dans leur pays, pourquoi ils ont été obligés de venir ici. Donc c'est vrai qu'on fait ce qu'on peut pour leur faire prendre conscience de ça, et aussi les impliquer dans les luttes pour leur propre droit. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Notre soirée tire à sa fin. Nous avons des contraintes par rapport à la salle. Vous vouliez dire quelque chose? 30 secondes, allez-y. Bon, ok. On va juste signaler qu'on a aussi des financements européens pour soutenir des projets justement de sensibilisation du grand public sur les questions. Donc voilà, je voulais le signaler parce que là, on va relancer un appel à projet au mois de juillet, a priori, ou si on est en retard en septembre. Et puis on sera là, on aura un stand à EuropaVox et on va chercher aussi à diffuser, enfin faire de la sensibilisation à cette occasion-là. Donc pourquoi pas me recontacter par rapport à des choses qu'on pourrait proposer dans ce cadre-là, puisque là il y aura beaucoup de public. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci pour votre rapport à tous. D'Inquisito. 30 secondes pour dire quelque chose avant que je... Oui, 30 secondes, bon, stop, j'ai fini. D'abord, je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos interventions et remercier vraiment l'équipe clermontoise pour cette organisation de ces assises. Parce que lors de nos premières réunions, je ne savais pas bien où on allait. Je pense que Nicolas non plus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette table ronde aurait pu faire partie du 4e atelier. Diaspora, comme disait notre cher élu, diaspora et engagement politique, diaspora et engagement au niveau des droits, c'est ça, on se retrouve qu'on parle vraiment de la même chose. Quel est l'engagement aujourd'hui de nous, diaspora? Moi, je n'ai pas dit que je découvre presque la Ligue ou la CIMAD, presque, parce que je vois ça comme tout le monde un peu de nous. Mais je n'ai pas cette proximité alors qu'on fait un travail formidable. Et ce que vous venez de dire aujourd'hui, quand ça nous touche, on est concerné, et quand ça nous touche, on est éloigné, et on s'en préserve un peu comme si c'était contagieux. Peut-être qu'il faudrait revoir aussi les stratégies pour aborder le public vraiment des diasporas. Parce que, comme disait M. Samir, c'est-à-dire, c'est les premiers racisés qui doivent être les premiers concernés. Mais on a l'impression que nous sommes toujours absents des combats qui nous concernent. On a parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat. On peut parler tout à l'heure, on peut parler aussi de l'engagement en politique, comme vous l'avez dit. Nous sommes aussi absents. Donc, et même aussi des revendiquer nos droits, nous devons être aussi absents. C'est seulement ce que je voulais dire. Pour dire aujourd'hui que la cohérence que j'avais parlé des premiers jours de préparation, je vois un peu cette cohérence, qu'on a bien fait dire les assises de la diaspora. De voir à la fois au niveau de la solidarité, au niveau de qui nous sommes, comment on doit faire, au niveau même de l'investissement et de l'entrepreneuriat, mais au niveau aussi de l'engagement citoyen et de l'engagement politique. Donc je vois un peu cette concernant. Mais j'ai un petit mot. J'ai été un peu amusé de voir solidarité des peuples d'Afrique avec le monde.
il y a souvent, on met souvent en solidarité du monde avec les peuples d'Afrique. Voilà, je voulais terminer un peu par cette petite boutade, que je n'ai pas bien compris le jeu des mots, mais ça résume un peu de ce que nous avons vu, qui était belle journée. Merci. 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 François, tu veux dire quelque chose? Ah, c'est Ozzy. François, il veut la nationalité africaine. Tiens. Merci. Oui, pardon. Oui, trois micros. François, il veut demander la nationalité africaine. J'ai un élément de solidarité sur lequel je voulais témoigner en plus parce que ça a été peu évoqué aujourd'hui et dans lequel on voit peu la diaspora. Le témoignage que je voulais apporter, c'est qu'au niveau des agriculteurs français et développement international, on a des partenariats avec des agriculteurs d'ailleurs. Notre slogan, c'est paysans ensemble ici et là-bas. Et en fait, la solidarité, elle s'exprime non pas par des échanges financiers, par des transfert de technologie ou quoi que ce soit d'autre, mais bien par une réflexion ensemble de comment on peut réagir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, face au changement climatique, face aux problèmes de souveraineté alimentaire, face à tout ce qui est là. Et le point qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qui est-ce qui a fait réagir les paysans auvergnats sur l'impact du changement climatique? Ce sont les paysans du sud. Merci. On a laissé le meilleur pour la fin. C'est toi qui vas filer. Moi, je voulais juste adresser un immense merci à notre chef, Alexandre Gans, qui, pendant tout le travail que la CAFA réalise, avec la ville de Clermont, un grand merci à Alexandre et à la ville de Clermont. Et on est fiers ce soir de réussir cette conférence grâce à nos intervenants et grâce à Irène et Muller et toute l'équipe. Merci à vous et à la prochaine.